D'abord à Ma, dans la région du Tonkwi, et ensuite à Daloa, dans le Haut-Sassandra. Ce sont plusieurs responsables du Rassemblement des républicains et associations de la société civile qui sont venus écouter le président de la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence Force 2015. Charles Niaouré les a invités à contribuer à la réussite des deux grandes actions. Il s'agit pour nous de nous impliquer dans les RGPH parce que c'est sur la base de ce qui va sortir du RGPH que nos dirigeants pourront planifier le développement de notre nation. Le deuxième message, c'est que nous sommes venus les inviter à ce grand rassemblement que nous prévoyons pour le 5 juin à Abidjan, à la place de la République, pour dire merci au chef de l'État pour toutes ses actions de développement, mais également pour prier pour la paix. À ces deux invitations, les hôtes de la Force 2015 ont donné des réponses favorables. Chacun d'entre nous se fera fort de véhiculer ce message auprès de la population. Ici à Daloa, tous les militants sont engagés pour la cause de la Sanoua. Un soutien au président de la République que la Force 2015 souhaite se matérialiser. Son président Charles Niaouré, qui à chacune des rencontres a à ses côtés les responsables locaux du Rassemblement des jeunes républicains et des élus, a également demandé aux populations de participer activement à l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Une participation qui consistera à accorder un deuxième mandat au président Alassane Ouattara.